La sœur Zare Asanatu. Amen. Est-ce que tu as vu que l'église, si les musulmans viennent, ils se convertissent pour. Si tu dis Amen, ta vie change. Alléluia. La sœur Zare Asanatu dit, je viens dire infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ pour la guérison de ma fille. Amen. Depuis le mois de janvier 2023, je n'avais plus de nouvelles de ma fille qui vit en Côte d'Ivoire. Mardi passé, elle m'a contacté pour m'informer qu'elle était souffrante car elle avait d'atroces douleurs au bas-ventre. Il est à noter que depuis 2 ans, elle souffre d'un kyste ovarien qui résiste à toute forme de traitement au point où les médecins ne savaient plus quoi faire. Ce mardi, je me suis rendu ici à l'église pour prendre part à la ligne de prière organisée par papa. Et je lui ai également envoyé le lien Facebook afin qu'elle suive en direct. À la fin de la journée, elle m'a contacté en criant pour m'informer que toutes les douleurs avaient disparu et que, hey, et que même ces menstrues qui tardaient à venir depuis 3 semaines sont venues instantanément pendant la ligne de prière. Je viens ce matin rendre toute la gloire à Jésus-Christ. Prépare-toi pour les prochaines lignes de prière spéciales. Où est ta fille? La fille de Asanatu. C'est le bébé ici qui est en Côte d'Ivoire. Ou elle est plus grande que ça maintenant? Elle a quel âge? Elle a 22 ans. Ah, 22 ans. Oh. Elle est en Côte d'Ivoire avec qui? Papa ou bien? Elle est avec une tutrice. Oh, Dieu va la bénir. Dieu va la bénir. La grâce est sur toi. Dieu est béni. Acclame le Seigneur. Shalom à la famille. C'est la sœur Zare Asanatu. Je viens ce matin dire merci à Dieu pour la santé de ma fille. Parce que je viens d'une famille musulmane. On a fréquenté les marabouts et autres. Je n'ai pas trouvé de solution pour ma fille. Mais Dieu a opéré le miracle, elle a reçu la guérison. Donc j'exhorte tous les mamans, j'exhorte à toute personne qui ont une situation de venir en Christ, parce que c'est en Jésus-Christ que nous recevons la guérison, nous recevons tout ce que nous avons besoin. Que Dieu vous bénisse.